Choisis la vie. Comprendre, toujours comprendre. Comprendre ou juger. Il faut choisir. Le vieil homme en toi a été souvent formé au jugement, voire à la condamnation. Il est ancré dans une logique de la faute, de la guerre, avec des gagnants et des perdants. L'enfant de Dieu que tu es n'est pas dans cette logique. Il cherche à comprendre. Il a de la compassion. Il connaît les réactions aux blessures et pardonne. Il voit en filigrane la beauté intérieure de l'autre. À l'instar de saint François d'Assise, il peut dire « Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. » Alors comprendre veut dire prendre avec soi, en soi. Il ne s'agit pas de se charger des problèmes de l'autre, mais de l'accepter comme il est et d'être en communion avec lui. Chacun de nous a ses qualités, sa valeur. Nous faisons partie de la ronde des enfants de Dieu, ronde où nous sommes au service les uns des autres. Alors seulement nous pourrons prononcer cette phrase qui ouvre les âmes et que chacun de nous aspire à entendre. Je te comprends. L'enfant de Dieu saisit tout avec un peu de la compréhension du cœur de Dieu. Développe-la, elle te donnera horreur des jugements hâtifs. Elle ne t'empêchera pas de discerner, te poser, t'affirmer sereinement, en respectant l'autre, sa différence. Mais elle t'évitera de vouloir convaincre, argumenter à tout prix et de chercher, en tout état de cause, à avoir raison. Alors aujourd'hui, comprends, et toujours il faut comprendre, voir au-delà des apparences.